Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Français, préparez-vous à régler la note du Covid, selon Gabriel Attal, la France bientôt clochardisée. Avant de traiter cette question et l'actualité récente, je voulais remercier, comme il se doit, à tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail, hein, qui vous offrent en quelque sorte ces entretiens à l'aide des merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, VTT Pollux, Rodogune Petit Pas, Shylab, la très chère Patounette. Et Patrick Meignet. Merci à tous. Et puis je tenais aussi à vous remercier. Vous avez été très nombreux à me souhaiter un joyeux anniversaire. Hier, ma vidéo a été un petit peu bousculée parce que j'avais des gens qui, me, qui venaient me voir entre deux prises et qui me disaient Allez, c'est l'heure, il faut partir. Et ça m'a évidemment un peu stressé. Et la fin n'était pas très nette. Alors c'est pour cette raison que je vais reprendre aujourd'hui. Mais on n'oublie pas. Les petits pouces levés, on n'oublie pas les gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux, la réinformation. Eh bien, c'est un sport de combat qui concerne tout le monde. Alors je vais reprendre l'information que j'avais traitée hier et qui me semble très importante, c'est l'OTAN à Vilnius. Et nous avons vu cette image qui résume ce que je vous dis depuis 3-4 jours. On reconnaît en effet Zelensky bien esselé au milieu des grands de ce monde. Enfin, « Grand de ce monde », c'est une périphrase qu'il va falloir définir dans un instant. Mais comme l'a l'écrit très bien Slobodan Despot, ils l'ont vanté, gonflé, enivré de promesses. Il s'est viandé à cause de leurs erreurs de jugement. Et maintenant, ils ne le connaissent plus. À tel point d'ailleurs que le journal Le Monde est obligé de le concéder. La pilule est amère pour Volodymyr Zelensky en espérant que cette pilule ne soit pas empoisonnée. Avant même d'arriver à Vilnius pour dîner avec les dirigeants de l'Alliance, le président ukrainien dénonçait les conclusions en cours de préparation entre les 31 membres de l'organisation. Il est absurde de ne pas fixer de calendrier ni pour l'invitation ni pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, a-t-il cinglé sur Twitter. Eh bien, il n'a pas été écouté et cela va devenir très compliqué de continuer comme cela, monsieur Zelensky, auprès de votre peuple. Cela veut dire qu'une fenêtre a été laissée ouverte pour négocier la participation de l'Ukraine à l'OTAN avec la Russie. Amer, il ajoutait l'indécision est une faiblesse. En vain. On ne peut pas être plus clair de la part de Zelensky, il a été lâché par l'OTAN. Mais si on remonte quelques mois en arrière, qui a poussé Zelensky à cette contre-offensive kamikaze Qui a, a fait en sorte que son armée se délite sur le front ukrainien C'est bien l'OTAN. Ce sont eux qui voulaient absolument une contre-offensive. Je me rappelle d'ailleurs que Zelensky avait dit que c'était plus compliqué, qu'il n'y avait peut-être pas les armements nécessaires. Et là, il a obéi à l'OTAN, son armée est battue et ils sont en train de le lâcher. Une marionnette Mais qui est Zelensky On se souvient que c'était un comédien, pas très drôle d'ailleurs, assez vulgaire et qui a été propulsé au sommet de l'État ukrainien. Tiens, ça nous rappelle quelque chose qui a fait un peu de, de théâtre et qui est devenu président de la République. Attendez, euh, si vous avez le nom, n'hésitez pas à me le dire. Alors, ces éléments sont rapportés par l'excellent colonel américain Scott Ritter, qui nous brosse le portrait de ce Volodymyr Zelensky, un petit comédien devenu président de l'Ukraine. Et j'ai été agréablement surpris lorsque j'ai visionné ce reportage, puisque Scott Ritter fait appel aux experts de la DGSE pour euh, illustrer son propos en la personne d'Éric Sénécé. Je vous invite vraiment à regarder ce reportage. Et puis, je voulais aussi remercier Régis De Castelnau, combattant de la réinformation. Merci à lui de diffuser ce genre de reportage qui passerait inaperçu. Sans sa vigilance. Il y a un instant, je vous ai dit les grands de ce monde. Alors, les grands de ce monde sont aujourd'hui à Milan, ils sont prêts pour la Fashion Week. Re ah non, pardon, je me suis trompé, c'est pas la Fashion Week de Milan, c'est le sommet de l'OTAN de Vilnius. Alors vous avez malgré tout tous ces très grands de ce monde, hein, notamment la première ministre estonienne, le président de la République française, Emmanuel Macron, le premier ministre britannique, Sunak, le premier ministre canadien Justin Trudeau, on a l'impression que c'est un défilé de Young Leaders de Davos hein. et la présidente de la Commission européenne Pustula Layen avant le dîner social du sommet de l'OTAN. Oui, on a l'impression que ce sommet de l'OTAN, ça devient la mondanité. D'ailleurs, sur la photo, il y a une intrus. Il y a, a quelqu'un qui n'est pas euh, un chef d'État. Vous l'avez remarqué, elle est en blanc. Oui, c'est Brigitte Macron. Mais que fait-elle au dîner de l'OTAN oui, c'est le seul chef d'état qui est accompagné par son épouse. Alors pour quelle raison Bien vous avez l'habitude, c'est un cliché qui va être qui va apparaître dans certaines presses pour faire croire qu'Emmanuel Macron est en quelque sorte accepté par ce monde. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron est derrière, il est juste avec la présidente de l'Estonie et que devant, on fait bien attention comme avec Zelensky de ne pas trop le fréquenter après les émeutes. Et puis ce cliché je vous l'ai dit, c'est un concentré de young leaders, c'est aussi un concentré de corruption qui n'a pas été pointé du doigt par la presse pour des affaires de justement de détournement d'argent, de scandale. Vous en voyez un. Alors je laisse de côté la première ministre estonienne, parce que je n'ai pas travaillé sur son cas, mais van der Leyen, j'ai dû faire au moins une dizaine de numéros. Florian Philippot, d'ailleurs, vient de lancer une procédure judiciaire à Bruxelles contre elle. Trudeau est au plus mal, il est accusé aussi de corruption. Je sunak le nouveau premier ministre britannique également. Quant à Emmanuel Macron, je pense avoir fait plus de 200 numéros à son sujet. Donc... Tous ces gens vont aller dîner dans un palais présidentiel alors qu'ils ont pris comme décision il y a quelques jours les bombes à sous-munition ou de livrer des missiles Scalp qui vont faire des centaines de morts. Il y a quelque chose d'indécent. Ah, je tiens à signaler qu'un missile Scalp coûte plus de 750 millions de pièces. À croire que l'intérêt d'Emmanuel Macron c'est de dépenser notre argent. Nous y reviendrons dans un instant. Et comment la presse a répercuté cette nouvelle d'Emmanuel Macron livrant des missiles Scalp à l'Ukraine Eh bien, on va se porter sur TF1 et voilà ce qu'on peut lire. « La France a livré des missiles longue portés Scalp à l'Ukraine », a annoncé Emmanuel Macron ce mardi matin. « L'extrême droite accuse le président d'avoir fait le choix de l'escalade ». Nicolas Dupond-Aignan estime carrément qu'il a déclaré la guerre à la Russie. L'extrême droite est fascisante, l'extrême ex droite est dans l'outrance, l'extrême droite s'éloigne de la raison. Eh bien, c'est ce qu'on va vérifier à travers les positions du Bureau National du Rassemblement National, toujours dans cet article TF1 qui date d'hier. Nous nous éloignons encore un peu plus de ce rôle. Tiens, tiens, de quoi s'agit-il Emmanuel Macron a fait le choix de l'escalade. Il faut savoir que c'est une position qui est défendue par de très nombreux éditorialistes, qu'ils soient de gauche ou de droite. A dénoncer Marine Le Pen, le chef des députés Rassemblement National. Ah, c'est cela l'extrême droite, le Rassemblement National. Je trouve pour pourtant qu'ils sont assez modérés aujourd'hui les députés du Rassemblement National par rapport à ce qu'ils ont pu être lorsqu'ils étaient au Front National. Et puis reprendre le terme d'extrême droite, ce qualificatif dépréciatif, euh, on a l'impression d'entendre Mélenchon. TF1 est-il en quelque sorte l'agent d'influence de la France insoumise Eh bien on a l'impression, lorsqu'on lit l'article de TF1, et là vous vous dites, ça y est, ils ont décidé de taper sur le Rassemblement national parce qu'il est très haut dans les sondages, donc ils nous refont le coup du péril fasciste. La France doit agir comme puissance de médiation. C'est une position outrancière, puissance de médiation. C'était la position du général de Gaulle. En fournissant des missiles longue portée à Kiev, nous nous éloignons encore un peu plus de ce rôle, a également dénoncé le député Laurent Jacobili dans un communiqué. Il suffit d'ailleurs, pour s'en convaincre, de regarder les réactions de Moscou. Pour s'en convaincre, la position du Rassemblement national est claire. La France ne doit pas devenir un co-belligérant. Nous devons nous limiter à la livraison d'armes défensives et tout mettre en œuvre pour qu'une conférence de paix intervienne au plus vite. Encore une fois, TF1 nous livre le parfait manuel du propagandiste. Le titre ne correspond pas au contenu de l'article. En quoi Marine Le Pen tient-elle des propos d'extrême droite Elle veut la paix C'est une valeur d'extrême droite et elle veut que la France conserve son statut de médiation, c'est-à-dire la tradition diplomatique gaulliste. Propos d'extrême droite Par contre, le chef de l'État, qui livre des armes extrêmement meurtrières qui vont taper sur les populations civiles, lui, il est porté au pinacle par TF1. Une inversion accusatoire. La paix, c'est la guerre. La guerre, c'est la paix. Nous sommes bien chez Orwell. Maintenant, on va s'intéresser au cas de dupont aignan Alors, il raconte carrément n'importe quoi, dupont aignan Mais il ne nous explique pas euh, l'argumentation du chef de Debout la France. Il fait pourtant appel à la Constitution. Violation de l'article 35 de la Constitution. En livrant des missiles SCALP, Macron prend le risque d'une guerre directe avec la Russie et doit donc informer le Parlement puis demander son autorisation. AC. Ah, et il faudrait rappeler à tous ces journalistes de TF1 et de LCU que de nombreux officiels européens, qu'ils soient des généraux ou des hommes politiques, ont appelé à des confrontations directes avec la Russie. La troisième guerre mondiale. Mais est-ce qu'ils n'oublient pas un petit détail Est-ce qu'ils n'oublient pas que la Russie possède l'arme atomique quelles vont en être les conséquences pour le peuple français Vous pensez qu'à Moscou, cela va être accepté ce genre d'agression d'un ancien peuple ami, c'est ça qui est le plus terrible. Nous étions amis avec la Russie et Macron fait en sorte que nous ne le soyons plus jamais. C'est absolument terrible. Mais comment s'en étonner puisque ces gens-là ne vivent pas dans la réalité Ils vivent dans un autre monde. Nous en avons une démonstration absolument stupéfiante avec Delphine Ernot. On ne représente pas la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. En expliquant que son objectif est de représenter la France telle qu'elle devrait être, madame Ernaut s'approprie ce qui ne lui appartient pas. La France et la télé publique. Comme les squatteurs, elle ne vous demande pas votre avis, elle vous pique les clés et en plus, elle vous raquette. Et en plus, elle ne respecte pas la loi parce que la mission du service public, c'est la pluralité, de présenter les opinions de tout le monde. Or, il se trouve que la France est très à droite à plus de 50%. Est-ce que nous avons cette vision du monde à la télévision publique Je crois que vous avez la réponse. Alors, je voudrais rappeler un mot d'Albert Camus parce que... Il est, pour le coup, il tombe à pic. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et oui, puisqu'on ne dit pas les choses, on ne peut pas traiter les problèmes. Nous avons appris ce fait divers, selon la presse de gauche, et pour nous, c'est autre chose qu'un fait divers. C'est ce que nous rapporte Pierre Gentillet. Aujourd'hui, Philippe est mort. À 72 ans, cet ancien fleuriste de depuis retraité, a été tabassé à mort par trois jeunes, traduire ici en ce terme journalistique par barbares, à qui il avait demandé simplement de faire moins de bruit devant chez lui à 23 heures. Philippe était simplement un Français qui, comme de nombreux autres, ne supportait plus les sauvages qui hurlent au téléphone dans les transports en commun, qui, qui squattent les halls les hall d'immeubles pour faire leur business, qui insultent gratuitement. Les femmes dans la rue. Mais Philippe euh, ne suscitera ni minute de silence à l'Assemblée, ni tweet de Mbappé. Philippe n'est qu'un fait divers pour la gauche et le monde médiatique. Nous ne vous oublierons pas, Philippe. Je tiens à signaler qu'une victime est une victime. Il n'a pas de sexe, de religion, de communauté. Une victime a droit à notre compassion. Eh bien, en France, certaines victimes n'ont pas le droit à la compassion des médias et on est terrifié parce que cela nous rappelle ce que enseignait Anna Arendt au sujet du fascisme. Le clan extrêmement minoritaire surhumanise ses membres et lorsque l'un est touché par le destin, eh bien ils organisent une forme de compassion nationale, tandis que l'ex la majorité euh, du peuple, lui, est déshumanisé. Et lorsqu'il y a une victime de ce peuple, eh bien, euh, il n'a droit qu'au silence. C'est exactement ce qui est en train d'arriver dans les médias aux ordres. Une dérive fasciste, hein, selon les mots d'Anna Arendt. Regardez le traitement de Naël, qui est pourtant un jeune délinquant, et regardez le traitement dans les médias de Philippe. C'est QFD. Et en plus... Non seulement ils nous invisibilisent, hein, ils nous effacent, mais ils nous font payer la note. C'est toujours la même histoire. Gabriel Attal, ce serait mentir que de dire qu'il n'y aura pas un effort global demandé à tous les Français pour réduire la dette. Traduction de ces périphrases puériles de Gabriel Attal. Vous allez payer des impôts, nous sommes déjà à plus de 46%, presque 46% de prélèvement, et eh bien cela va augmenter. Mais ne vous inquiétez pas, les milliardaires, eux, ils ont des montages financiers, ils ne paieront strictement rien. Non, c'est le peuple français qui va payer la note. Et la quelle est cette note? Eh bien, c'est le Covid, c'est plus de 400 milliards. C'est la guerre en Ukraine, c'est la politique de l'électricité. Et ils ont besoin de faire appel à votre épargne et à votre porte-monnaie parce qu'il y a de moins en moins d'entreprises. Lorsqu'on mène une politique de gribouille, eh bien qu'est-ce qui se passe Économie, le nombre de faillites d'entreprises est au plus haut depuis 2016. Au nom du marché européen, nous rappelle Philippe Murer, de l'électricité et des autosanctions contre la Russie. Macron détruit les entreprises qui donnent travail et salaire aux Français. Alors, la France bientôt clochardisée, c'est ce que j'annonçais en titre, eh bien, les macronistes prennent les devant. Vous, oui, vous allez voir, vous ne rêvez pas. La France d'après de Mme Couillard. J'avoue que pour un ministre de Macron, elle a un merveilleux nom, Mme Couillard. Après les rats qu'il laisse proliférer sous le nom de surmulot. Après les poux et punaises de lit qu'il protège en les appelant commenceaux. Après les vers et les insectes qu'il substitue à la viande. Rouge, le gouvernement va encourager le rapissage des vêtements. Le secrétaire d'État chargé de l'écologie, Couillard, a annoncé ce mardi la création prochaine d'un bonus pour les Français. Vous ne rêvez pas. Après le chauffage à 19 degrés, la clim à 26 degrés, après les ceintures qui se serrent, hein, les efforts des Français au niveau de la nourriture, l'inflation galopante, le la difficulté pour de nombreux français à partir en vacances hein, je vous ai montré qu'un tiers des français ne partait plus en vacances eh bien emmanuel macron va vous amener vers ce paradis Écologistes. Oui, il existe, il est à Paris et je pense qu'en effet c'est leur projet, c'est notre projet! Eh bien, on va le voir, l'excellence écologique des favelas porte de la chapelle en 10 points. Gaspillage d'électricité, zéro. Gaspillage d'eau, zéro. Vie saine en plein air, ah bah là évidemment c'est fabuleux. Vie inclusive avec surmulot, poux et punaise, bah là vous y êtes, là. Mixité sociale, convivialité intergénérationnelle et non genrée, Habitat écologique et refus de la bétonisation, faible empreinte carbone, là, là c'est l'excellence. Hein. Recyclage des vêtements usagés, comme nous, la, nous le demande Madame Couillard, optimisation de l'utilisation des déchets. Il n'est pas merveilleux le monde d'Emmanuel Macron, le français clochard comme euh, horizon indépassable et dire qu'ils ont dépensé des milliards et des milliards et que ces milliards sont partis en fumée non seulement sur le front ukrainien mais aussi on apprend qu'en Allemagne on jette 200 millions de doses Covid. On aimerait bien savoir le montant en France. Et puis ces milliards ont été traités de manière opaque, c'est ce que nous rappelle Virginie Joron. Je finis mon journal par son discours devant le Parlement européen. Chers collègues, appelons un chat un chat. Ce rapport, c'est le rapport Pfizer. 4,6 milliards de doses pour 71 milliards d'euros, dont 2,4 milliards de doses pour Pfizer, à 19,50 euros la dose livrée et 10 euros la dose annulée. 130 pages et pas un mot sur Pfizer, ni sur les SMS de Mme von der Leyen et le PDG de Pfizer. Alors que dans le registre de transparence, on découvre que vous avez contacté les lobbyistes de Pfizer six fois. Pas un mot non plus sur Janice Moll, la VRP de Pfizer qui nous a confirmé que l'efficacité du vaccin sur la transmission n'avait pas été testée avant sa mise sur le marché. Vous avez vu aussi à deux reprises la fondation Bill et Melinda Gates. Pourquoi? De qui se moque-t-on? Selon l'OMS, la pandémie est finie, mais on apprend par la presse boursière que Pfizer a négocié un nouveau contrat. La capacité commandée, 325 millions de doses par an pendant huit ans. Il y a quelques temps, le rapporteur espagnol avait demandé que Pfizer n'obtienne pas tout. Et ce contrat a été partagé avec l'Espagne. Par contre, pas un mot sur les pétitions citoyennes. Nous y avons pourtant cru à cette commission parlementaire pour la transparence. Mais quelle farce Audition à sens unique, aucun débat, pas d'accès au contrat complet de Pfizer. Réunion à huis clos avec l'obligation de signer une décharge pour protéger les intérêts financiers de Pfizer. L'administration m'a même demandé de supprimer des tweets. Pfizer nous a aussi demandé de justifier nos questions écrites. Votre rapport est à côté de la plaque. Vous vous félicitez, vous voulez inonder l'Europe, l'Afrique, alors qu'elle n'en veut pas de vaccins, vous souhaitez mettre en place un calendrier vaccinal européen, vous voulez nous éduquer à la vaccination, vous voulez remettre en place le QR code, vous luttez contre ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Ce rapport est donc le reflet de qui, de quoi, de quel travail, en fait, avec les lobbies. Et le seul gagnant, c'est Pfizer. Vous avez donc oublié les contribuables européens, mais je suis sûr qu'ils ne l'oublieront pas aux prochaines élections. En tout cas, si besoin, vous pourrez toujours traverser la rue et avoir une place chez Pfizer. Merci à Virginie Joron de rappeler ces éléments. Ils ont dépensé donc un pognon de dingue. Ils vous clochardisent et vous font payer la note. Voilà. Si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser sur d'autres réseaux sociaux, le petit pouce levé, les gentils messages. Je ne serai pas très présent cet après-midi. J'ai encore des invités à la maison pour me. Pour mon anniversaire, voilà. Merci à tous, et puis comme disait Giscard d'Estaing, au revoir.